Bonjour à toutes et à tous. Heureux de se retrouver en ce mardi 3 octobre. Avant d'écouter la parole de Dieu et son commentaire, invoquons encore avec les mots de la petite Thérèse que nous avons fêté ce dimanche, invoquons l'esprit saint. Père miséricordieux, au nom de votre très doux Jésus, de la Sainte Vierge et des Saints, nous vous demandons de nous embraser du feu de votre amour, de nous accorder la grâce de vous faire beaucoup aimer. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent Seigneur, veux tu que nous ordonnions un feu tombe du ciel et les détruise. Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Le feu du ciel. Dans son commentaire, le père Jean l'évêque resitue euh, ce passage. C'est ce passage de transition entre la Galilée et la montée vers Jérusalem. Nous commençons en effet aujourd'hui une longue section de l'Évangile de Luc consacrée au voyage de Jésus à Jérusalem, le voyage qui le mène à sa passion et à sa mort. Luc situe ainsi l'épisode. Comme approcher le temps où Jésus allait être enlevé de ce monde, c'est le même mot que l'on retrouve dans la Septante, qui est employé pour l'enlèvement d'Élie au ciel. Jésus sait ce qu'il attend. Et pourtant, il quitte sa Galilée natale, et résolument, l'Évangile nous dit le, le visage déterminé, il prend la route de Jérusalem, qui traverse cette région de Samarie? Sa troupe, ses compagnons, ses disciples, est sans doute importante, puisqu'il doit envoyer ses disciples pour préparer le cantonnement. Et les Samaritains d'un certain village, prenant la suite de Jésus pour un groupe de pèlerins juifs en route vers la ville sainte, refusent, les Samaritains refusent d'héberger ces voyageurs. Du coup, cette, réac cette réaction de rejet, qui est courante à l'époque pour des gens de Samarie, qui voulaient par là défendre leur autonomie, ce rejet est normal. Réciproquement, les fils d'Israël faisaient grief aux Samaritains de leur manière d'aller au vrai Dieu et de lui rendre leur culte et c'était euh, des reproches, bien sûr. Nous nous rappelons de la, du célèbre dialogue entre Jésus et la, et, la, et la Samaritaine. Le réflexe de Jacques et de Jean est de rééditer contre ces villageois la menace d'Élie au capitaine euh, du roi Achaz. À ce capitaine qui transmettait la consigne, « Homme de Dieu, le roi a ordonné, descends !» Le prophète avait répondu Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et ta compagnie. Jacques et Jean réagissent immédiatement au refus des Samaritains. Ils y voient un manque d'égard outrageant pour Jésus. Tout, comme l'autre cuidance d'Akaz, était un affront pour le prophète. Et ils proposent. Pour ce village inhospitalier, un, un châtiment digne d'Élie et de son siècle de fer. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre et de le consumer Ils veulent se servir de la puissance de Jésus pour passer en force. Tout autre, bien sûr, est l'attitude de Jésus. Et l'évangéliste prend bien soin de souligner le changement du style entre Élie et Jésus, le nouveau prophète. Jésus s'aperçoit bien que cette hostilité ne le concerne pas vraiment. Les Samaritains n'en veulent pas à sa personne, mais se vengent du mépris dont ils se sentent l'objet depuis plusieurs siècles. Sereinement, Jésus contourne l'obstacle et, se retournant, il réprimande les deux frères. La violence, c'était bon au temps Lui Jésus met sa puissance, son autorité au service de la miséricorde. Alors euh, qu'il s'en va mourir à Jérusalem, condamné par des membres de son peuple, il ne veut pas se formaliser du mouvement d'humeur de quelques étrangers. Jésus ne va pas là où va la violence et il ne forcera pas l'entrée du village. Jacques et Jean, tout feu, tout flamme, en fils du tonnerre, Buenergues, appellent la foudre. Jésus, lui, descend, pardon, lui, Jésus, lui, décide de partir pour un autre bourg. Il ne force pas. Quelle leçon d'objectivité et de sagesse pour nous que l'hostilité réelle ou supposée désassonne si souvent. Pour la moindre contrariété, en effet, pour un oubli involontaire, pour une parole dite, ou un silence gardé, pour une gêne passagère dans notre travail, ou un retard dans nos projets, pour une méprise sur nos intentions, nous mobiliserions bientôt tous les tonnerres du firmament, prenant presque Dieu à témoin de notre bon droit. Il n'en est pas ainsi quand nous sommes invités par l'Esprit. Nous perdons souvent du temps à tempêter contre les Samaritains qui sont en nous, ou autour de nous, ou que nous croyons reconnaître comme tels. Hâtons nous avec Jésus, résolument, avec un visage et surtout une volonté déterminée, vers Jérusalem, vers le lieu où tout se joue, vers le lieu de la vie en surabondance. C'est là que le salut va s'accomplir. Va Alors oui, en ce jour, en ce 3 octobre, demandons à l'Esprit, de, de nous animer avec la même détermination qui anima le cœur de Jésus pour monter à Jérusalem, pour prendre vraiment dans toutes les dimensions de, de nos responsabilités la place et la mission qui est la nôtre pour le bien de l'Église, pour le bien de nos frères et sœurs en humanité. Amen.